Est-ce que vous êtes vraiment prête de se marier? Qu'est-ce que c'est la foi pour vous? C'est quoi la foi? C'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. La croyance. Hein? Croire. Oui, mais c'est quoi la foi? C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais c'est quoi pour vous la foi? L'assurance. Oui, l'assurance. D'accord. Mais c'est quoi? Croire aux choses qu'on n'a pas encore vues. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vis. Moi, quand j'étais dans la réunion de la vie amoureuse, je mettais des paquets, des escarpins. Je vivais les choses que je n'ai pas vues. Dieu voit que je me valorise. Il faut provoquer le miracle. Prête à marier quoi? Elle va à la vie amoureuse avec basket, demi-bottes. Vous devrez. Ah, pasteur, mais le matin, on court. Ah, pasteur, on était là. Il y avait la réunion de NGL. Amène une robe. Un escarpin. Comme si votre gentleman est déjà là. Eh? Ça a aussi rigolé. Hein? Maman. Si tu es là, est-ce que tu as cru que tu seras là ce soir? Non. C'était quoi? La foi. La vie amoureuse, je venais à l'église le matin évangéliser. Je rentre chez moi, je m'ai bien échappé pour trouver mon gentleman. C'est pour ça que bout d'un an, Dieu m'a donné un homme. Je vivais. C'est ça la foi. Avec des baskets, je vais chanter un chant d'amour. Mais quand tu es avec un talon, je vais chanter un chant d'amour. Même si tout fait, quand vous venez avec basket, je vais mettre des rap ici. Rap d'amour. Je vais chanter un chant d'amour. Ah oui ou non? Oui ou non? Parce que vous doutez, ah pasteur, mais je regarde gauche, il n'y a personne, c'est vide. Provoque les miracles. Je vais chanter un chant d'amour avec talent. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Ça veut dire quoi, démonstration pour vous? Un acte posé, un démonstration. Je vis les choses que je ne vois pas. Pour moi, la foi, c'est l'amour. Vous pouvez espérer en quelqu'un qui n'a pas d'amour? Répondez-moi. Vous ne pouvez pas attendre à quoi que ce soit une personne qui n'a pas d'amour. Vous savez que Dieu est l'amour et c'est pour ça. Et tout ce qu'on va demander, il va donner. C'est ça la foi. La foi sans œuvre, elle est morte. La foi sans l'amour, elle est morte. Vous voulez la Bible? Hébreux 11, verset 7. Gardez la foi. Regardez. Venez, Madame Sophie, même si vous. Les témoignages, ça n'éveille jamais. Combien de temps tu es célibataire? 16 ans. 16 ans. Mais, tu as trouvé l'homme de ta vie à quel âge? J'avais 47. 47. 3 ans à attendre pour être content. Elle n'avait plus la foi, mais je lui transmets. Elle ne croyait plus. Tu croyais l'amour? Non. Non. Tu ne croyais pas que tu es mariée? Est-ce non. Que tu réalises? Hein? Maintenant, oui, je réalise, mais c'est vrai que j'avais du mal à réaliser, oui, pasteur. Après tant d'années de célibat. 16 ans! C'est pas un jour, hein? C'est pas des jours, hein? Oui ou non? Oui, beaucoup. 16 ans d'années. Bon. Il faut croire l'amour, c'est ça le message que Dieu veut nous dire. On va les lire. C'est par la foi que Noé, divinement, avertit ces choses
qu'on ne voyait pas encore. Il saisit d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par quoi? C'est par la foi. C'était par la foi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Amen. Ici, dans les sens spirituels, Noé, elle a reçu la révélation de Dieu de bâtir sa maison à travers l'alliance. Beaucoup font une alliance avec Dieu, mais ils n'honorent pas son alliance dans son mariage. Dans quoi? Dans son mariage. Elle ne construit pas son mariage. Elle n'investissait pas. Elle dit oui, oui, sur l'autel. Mais elle oublie ce qu'elle a fait sur l'autel. Noé a reçu la révélation de construire l'arche. Construire sa maison. Parce que le déluge va venir. Le déluge de ce monde va quoi? Va toucher Thomas, ton mariage. Tu as fait une alliance avec Dieu et aussi avec ta femme. La personne dit, il suffit que je suis fidèle à ma femme. Il ne suffit pas d'être fidèle. Il faut honorer ton mariage. L'homme, il doit prendre soin de sa femme. La femme doit respecter son mari. Chacun doit rester sa place. S'il n'y a pas ça dans le couple, même si vous êtes marié sur l'autel, vous finissez par divorcer. Si vous ne vous s'élevez pas, bâtir votre maison, votre foyer, les déluges, quoi. Tout est fait par la foi. Ah, mon mari, il a une sale caractère. Tu l'as pas vu son sale caractère avant mon tétine ici? Tu crois que les mariages, c'est juste à marcher sur le tapis rouge. Manger les gâteaux. Les gâteaux, il a cet étage, on prend comme ça. Les mariages ne s'arrêtent pas là. Les mariages, la fondation des mariages existe, la confiance. C'est la base. Si dans les mariages, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Garde ça, ce que Dieu m'a révélé. Si dans les mariages, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de quoi? Est-ce que vous allez investir de quelque chose que vous n'êtes pas sûr? Hein? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au début, la personne, elle était sûre. C'est l'homme de ma vie. Mais quand elle dansait les mariages, ce n'est plus l'homme de sa vie. C'est l'homme de dehors. Parce que l'homme n'est pas parfait, toi non plus. Votre imperfection, on peut dire ça, ça va compléter l'un et l'autre. Oh, je croyais qu'il était doux. Vous avez oublié ce que tu as dit? Aujourd'hui, ton mari tombe malade. Oui ou non? Et tu es celle qui a travaillé, payé les factures dans la maladie comme dans la pauvreté. Et la femme a murmuré. J'ai fait tout. J'ai mon équipe des enfants. Voilà, tu es là malade. Tu savais qu'il n'avait pas de papiers. Tu es marié quand même. Ses papiers étaient mis. Il ne travaille pas pour les mamans. Avec papier ou sans papier. Tu as oublié tout ça. Un mariage, ce n'est pas un tapis rouge. Amen. Tu dois partager dans tout. Tu ne l'as pas vu qu'il avait des sonores grands. Et dans le mariage, ah, regarde, ton est large, ton oreille est large. Tu ne l'as pas vu? Tu ne l'as pas vu?
Et il va t'aider toi-même, tu portes ta perruque, t'as pas de cheveux. Et ça, parfois, ça blesse. Vous ne valorisez pas votre épouse. Vous dites des mots blessants ou votre mari. Et ça va lui donner quoi? Manque de confiance à en elle. Elle ne se valorise plus. Elle va arrêter de s'investir sur elle, elle-même. Parce qu'elle va se focaliser sur son oreille grand, pas de cheveux, oui ou non? Ou elle a eu un gros ventre? Fais attention à ce que vous dites dans votre mariage. Parfois, vous détruisez votre mariage, le mari même et l'épouse même. Valorisez votre mariage, votre épouse, votre mari, vos enfants. Un couple, c'est comme un œuf. S'il se casse, normalement, on ne doit pas se cacher. C'est vous-même que vous l'avez cassé. Un mariage aussi, il ne doit pas rentrer là-dedans. La tante, l'oncle, frère. Moi, je ne peux pas me séparer de ma mère et je ne peux pas me séparer de mon mari. C'est deux personnes qui sont importantes dans ma vie. Quand j'ai un problème, je ne dis pas à ma mère. Parce que si une maman, elle va regarder son ressentiment. Et vous mettez la division ou l'union? La division. Ah, la femme, dès qu'il y a un problème, elle appelle « Maman !» Mon mari crie sur moi, je ne vois pas ce fils de paille. Tu te maries pour le meilleur, pour le pire. Si tu as un problème, c'est pas avec ta mère que tu fais une alliance avec qui? Ton mari est avec Dieu. Mais toi, je ne parle avec Dieu. C'est lui qui est comme ça. Dans les mariages, il y a toujours des difficultés. Il faut affronter. S'assoit avec Jean-Claude ou avec Jean-Pierre. Si tu ne décides pas d'affronter toi-même, ça sera une mariage de plus. Parce que parfois, le problème, ce n'est pas en la personne, c'est en soi-même qu'on ne décide pas d'affronter soi-même. Vous comprenez ou pas? Parfois, Dieu permet de donner un homme dur pour briser ton or. Ton orgueil. Et après, Dieu va faire l'armo. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est Jacques-Claude qui a un problème. C'est toi qui a un problème. Parce que si tu ne restais pas à ta place, tu vas avoir toujours les problèmes sur les hommes. Il faut voir la foi. Mon mari ne sent jamais. Il ne me valorise pas. Peut-être ton mari ne te valorise pas. Vous vous êtes mariés chacun avec ses bagages. Peut-être lui aussi il avait quoi? Un séquel du passé que tu ne connais pas. Au début, c'est difficile de quoi? De ouvrir main. Oui ou non? L'amour existe de la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne vas pas trouver le bonheur. Toi, tu veux tout soit fait immédiat. Dans les mariages, si elle n'a pas de confiance, vous ne devrez pas baser par des sauces petits détails pour prouver son amour. Non, il ne m'amène pas au restaurant. Il m'a oublié mon anniversaire. Dans la maladie, il est là avec toi. Dans la joie, il est là avec toi. Avoir un quelqu'un, ça veut dire avoir un soutien. C'est ça le véritable amour. Dans le mariage, s'il n'y a pas de confiance, c'est très difficile. Pourquoi Dieu nous a parlé la foi? La personne, elle est là, elle a un échec sentimental. Elle ne croit plus en l'amour. Ou elle veut se décider. Mais il y a toujours le passé qui l'attrape. Elle a quoi? Elle a peur. Amen. On continue à lire. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi partir pour un lieu qu'il devrait recevoir l'héritage.
Est-ce qu'il a vu? Abraham ne pouvait pas avoir un enfant pendant combien de temps? 25 ans d'années. Tout s'est fait par la foi. Vois ton mari à côté de toi. Vois que tu te maries déjà. Il a obéi Dieu sans voir la pro. Il a rencontré des difficultés, des problèmes pour faire désister. Mais est-ce qu'Abraham a désisté? Satan, il vous fait montrer autre chose. Ne laisse pas que diable enlève cette assurance en toi. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Gardez l'assurance. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Comment vous ressentez une personne qui ne fait pas confiance en vous? Imagine mon mari m'a dit que je ne fais pas confiance en toi. Imagine Sophie, elle me dit ça à moi. C'est blessant ou c'est pas blessant? Imaginez Dieu que vous ne faites pas confiance. Dans toute chose dans la vie, il y a un engagement. Il doit établir une confiance. Quand vous cherchez du travail, il y a un contrat ou il n'y a pas un contrat? Le patron, il t'a fait engager parce qu'il t'a fait confiance. Impossible d'établir une chose sans là. La confiance, c'est de marcher avec le monde. C'est ça. Madame, je cherche un travail chez vous. Vous êtes capable de faire? Tu marches avec le monde. Parce que si le patron va dire que je ne te prends pas, son entreprise va quoi? Va quoi? Va couler. Tout est la foi. Tu ne peux jamais avancer sans la foi. Est-ce que tu peux démarrer une voiture sans quoi? Sans l'essence et sans les gageoires, là on peut dire. La foi, c'est le moteur de notre vie. C'est quoi? C'est le moteur de notre vie. Tu ne peux pas avancer sans la foi. La foi. Combien de personnes ils ont loupé leur permis? Oui ou non? Il a passé 7-10 fois. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance qu'ils vont réussir. Ça annule tout. Job, on a dit Job ce matin, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Regardez les gens dans le monde. Je parle des rilaires. Ils n'ont pas peur de rien du tout. Le sorcier doute ce qu'il fait? Non. La personne qui a l'assurance qu'elle va voter ton mari, elle doute? Non, pas du tout. Pas du tout. Regarde les personnes négatives. Les personnes, quoi, méchants. Ils ont l'assurance. Je vais détruire ces couples. Il va réussir, il ne va pas réussir. C'est vrai ou c'est faux? La personne qui est sauve négative, elle croit. Ça ne va pas marcher. C'est encore un autre mariage. Et c'est ce qui arrive. Et elle croit plus à la parole de l'homme que la parole de Dieu. Elle fait plus confiance en l'homme. Plus confiance en l'homme que la parole de Dieu. Ah, tu es encore marié. Tu te rappelles, c'est une échec de marié. Oh. Elle ne gardait pas la parole de Dieu, mais la parole de l'homme. Parfois, les couples, ils sont bien dans l'harmonie. Hein? Elle arrive, sa vieille copine 1960, célibataire. Ça va? Oui. C'est content, tu t'es mariée? Oui, enfin. Ça marche bien? Super. Je te présente, hein, je sais. J'espère. Hein. Je me suis mariée 30 ans. On est divorcés. Et là, elle ouvre la porte, quoi? Au doute. Tu es mariée 30 ans, 50 ans, c'est ton problème. Moi, j'ai la foi que mon mariage va jusqu'au bout. Si Dieu
il nous parle, il sait pourquoi. On ne dit pas que Jésus ne nous a pas appris la prière, notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien. C'est la parole. Il sait ce que son peuple a besoin. Manque de là la foi. Et beaucoup de personnes, je parle en général des sociétés que nous vivons, quel est le problème d'aujourd'hui? La vie sentimentale. Ils ne croient plus l'amour. Il y a des personnes qui se refusent au travail parce qu'ils sont seuls. Il va rester longtemps exprès au travail. Il m'a dit, je rentre chez moi, j'ai personne, tu vas faire quoi chez moi? Mais le jour où elle trouve un mari, elle rentre vite. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ayez la foi que vous allez se marier. Éprouve que le miracle. La femme, quand elle trouve son amoureuse, elle est comment? S'épanouir. Épanouir. Elle vit parce qu'il y a là l'amour. On ne vit pas sans l'amour. Le centre de notre vie se trouve où? Dans le cœur. Les organes vitaux. C'est où? C'est là le centre de la vie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Tout le monde a besoin de l'amour. Je peux. On a l'amour pour les petits chats. On a l'amour pour les petits chiens. On a l'amour pour la robe. On a l'amour pour les chaussures. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais est-ce que ça nous comble à l'intérieur de nous? Ça, c'est le plaisir. Ce que nous comble, c'est quoi? C'est notre Djatleman. Amen. On continue à lire. 9. Parti sans avoir où aller. C'est par la foi qu'il vit s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendit la cité qui a des solides fondements. Abraham, il avait la foi que Dieu va faire quoi? Solides fondements, c'est de dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Abraham, il avait la foi que Dieu va l'établir à sa vie. Parce que Dieu, il est le constructeur de notre vie. Pourquoi Abraham est devenu ami de Dieu? À cause de quoi? La foi. À cause de la foi, Abraham a acquis le royaume. La Bible dit, il y a le saint de qui? Saint d'Abraham. Abraham n'a pas guéri les malades. Abraham n'a pas saché les démons. Mais il est devenu ami de Dieu à cause de la foi. Il a reçu le 7 perfection des bénédictions. Nous sommes tous héritiers d'Abraham à travers la foi. Dieu ne te regarde pas si tu as des beaux cheveux, si tu es belle, si tu as un diplôme. Ce que Dieu te regarde, c'est la foi. Combien de personnes ont des diplômes qui ne trouvent pas du travail? C'est où qu'on pense? C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge, a avancé, fut rendue capable d'avoir un postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Qui a fait la promesse? Qui? Dieu. Dieu est fidèle ou Dieu n'est pas fidèle? Alors faites confiance en lui. Amen. Garde cette foi et persévère. Dominez les doutes. Et vous allez voir la grandeur de Dieu. Valorisez-vous. Amen.